Bienvenue dans cette vidéo où je vous propose de vous aider à réviser toutes les notions liées à l'inventaire de l'actif circulant. Je vous propose une vingtaine de questions sur l'inventaire, la constatation, la dépréciation des stocks, le reclassement, la dépréciation des créances clients ou encore les dépréciations de VMP. Donc évidemment, vous avez tout révisé et vous êtes au point et l'idée c'est de répondre à ces 20 questions pour voir si vous avez compris. Avant de commencer, n'hésitez pas à avoir avec vous un papier et des points sur chaque question. Vous aurez besoin aussi d'un plan de compte, hein, avec les schémas d'écriture comptable, il faudra connaître les numéros de compte. Et ça nécessite parfois quelques calculs, dont une calculatrice. Pour que vous puissiez vous y reconnaître, en bas de chaque diapositive, vous aurez en vert le numéro de la diapositive qui va apparaître pour voir où est-ce que vous en êtes. Et puis si vous regardez en haut à droite, il y a un rond vert. Tant que c'est vert, c'est que vous pouvez répondre. Et en fait, c'est une tome de timer. Et quand sera passé au rouge, je commencerai la correction. Donc le temps d'un jingle, vous vous préparez et on débute. Commençons par la première question qui traite des opérations d'inventaire et donc plusieurs propositions. Elles répondent à l'obligation légale d'établissement des comptes. Elles se déroulent tout au long de l'année. Elles consistent uniquement en un inventaire physique. Ou encore, elles permettent de déterminer le chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc, il peut y avoir plusieurs réponses. Je vous laisse le temps de la réflexion. Alors, est-ce qu'elles répondent à l'obligation légale d'établissement des comptes ? Oui, on a une obligation de procéder aux opérations d'inventaire au moins une fois tous les 12 mois, c'est-à-dire une fois par exercice comptable. C'est pas forcément à la fin exactement de l'inventaire de l'exercice comptable, mais les opérations d'inventaire comptable seront enregistrées à cette date-là. Elles se déroulent tout au long de l'année, du coup non, on ne procède à un inventaire. En France, on fait ce qu'on appelle un inventaire intermittent, donc on ne procède à l'inventaire qu'une fois tous les 12 mois, donc une fois tout au long de l'année. Ce n'est pas qu'un inventaire physique, il ne s'agit pas uniquement de passer une nuit à faire l'inventaire des stocks physiquement dans l'entreprise, il s'agit aussi de vérifier l'existence et la valeur de l'ensemble des biens qui sont dans le patrimoine de l'entreprise, pas uniquement des éléments physiques. Et ça permet de déterminer le chiffre d'affaires de l'entreprise? Non, ça c'est quelque chose qui se fait au jour le jour puisque ça découle des opérations d'enregistrement des ventes. Question suivante. Comment se calcule la variation des stocks de matières premières? 4 propositions. On fait stock final de matières premières moins stock initial de matières premières. Stock initial de matières premières moins stock final de matières premières. Consommation de matières premières moins achat de matières premières. Ou encore achat de matières premières moins consommation de matières premières. Toujours comme d'habitude, il peut y avoir plusieurs réponses. Je vous laisse réfléchir. Alors, première possibilité, oui, une variation de stock, c'est toujours final moins initial. Donc la variation de stock de matière première, c'est le stock final de matière première moins le stock initial de matière première. C'est aussi une différence entre ce que l'on a acheté et ce que l'on a consommé. C'est ce qui reste après avoir enlevé les consommations. Et en fait, on fait achat de matière première moins consommation de matière première. Question suivante. Une variation de stock. Je vous propose 4 complément de phrase. Se calcule en faisant stock final moins stock initial. Se calcule en faisant stock initial moins stock final s'il s'agit de stock de marchandises. A un impact positif sur le résultat s'il s'agit de stockage de produits finis. A un impact positif sur le résultat s'il s'agit de stockage de matières premières. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, vous avez le temps de réfléchir. Voilà, j'y vais vous donner la réponse avant que vous le réfléchissiez. Vous avez donc le temps de réfléchir. Donc, proposition 1, oui, on a vu dans celle d'avant qu'une variation de stock, c'était toujours stock final moins stock initial. Donc, ça se calcule en faisant stock final moins stock initial. Alors, en fait, est-ce qu'on peut faire stock initial moins stock final? Je vais vous dire non. Dans le sens où une variation du stock, c'est toujours final moins stock initial. Maintenant, dans le compte de résultat, dans les charges, on va faire consommation, on va faire achat moins variation de stock.
ce qui correspond en charge, affaires, stock initial, moins stock final. Troisième possibilité, a un impact positif sur le résultat s'il s'agit de stockage de produits finis. Si je stocke des produits finis, ça veut dire que j'ai produit des produits finis. Donc oui, je vais avoir un produit, donc je vais augmenter le résultat. Quatrième proposition, a un impact positif sur le résultat s'il s'agit de stockage de matières premières. La réponse est oui, encore une fois, puisque si je stocke des matières premières, ça veut dire que je consomme moins de matières premières, donc j'ai moins de charges, donc ça augmente mon résultat. Question suivante. La constatation d'une perte de valeur incertaine quant à son montant ou sa probabilité d'apparition est une dépréciation, est un amortissement. Troisième possibilité, donne lieu à la constatation d'une charge. À vous de réfléchir. Alors en fait, il s'agit de la définition d'une dépréciation. La différence avec un amortissement, c'est qu'un amortissement, c'est une perte de valeur qui est irréversible. Et donc, cette dépréciation va donner lieu à la constatation d'une charge, puisque quand on passe une écriture comptable, on dote, donc on passe une charge de dotation aux dépréciations, 680, par un compte de crédit de dépréciation, c'est le compte concerné, pardon, avec un 9 en deuxième position. Donc une dépréciation d'un immobilisation, ce sera le compte 29. Une dépréciation d'un compte client, ce sera 49. Ou encore une dépréciation d'un compte VMP de trésorerie, ce sera le compte 59. Question suivante. Le stock initial d'emballage est de 2000 euros. Le stock final d'emballage est de 3000 euros. Quel est le montant de la variation de stock d'emballage? Vous faites trois propositions. 1000 euros, moins 1000 euros. Ou 5000 euros. À vous de réfléchir. Donc j'ai un stock final de 3000 euros moins un stock initial de 2000 euros. J'ai donc une variation de stock de 1000 euros. Que ce soit dès l'emballage ou des matières premières, on fait toujours la variation de stock en faisant stock final moins stock initial. Question suivante. Le stock initial d'emballage est de 2000 euros. Le stock final d'emballage est de 3000 euros. Le compte de charge est-il débité ou crédité? Donc est-ce qu'on débite de 1000 euros ou est-ce qu'on crédite de 1000 euros? Je vous laisse réfléchir. Alors en fait, on va créditer de 1000 euros. En fait, on va dans un premier temps annuler le stock initial, donc on va débiter pour la charge de 2000 euros et en deuxième étape on va constater le stock final, donc cette fois-ci on va créditer de 3000 euros. Donc comme on a débité 2000 et crédité 3000 euros, le compte de charge finalement on aura crédité de 1000 euros. Question suivante. Le stock initial de produits finis est de 10 000 euros. La variation de stock de produits finis est de 2000 euros. Quel est le montant du stock final de produits finis? Je vous fais trois propositions pour vous aider. 8000 euros, moins 8000 euros ou 12000 euros. À vous. Donc on a dit on a un stock initial de 10000 euros. On a une variation de stock de 2000 euros, c'est-à-dire qu'on a 2000 euros de plus. Donc j'ai un stock final de 10000 plus 2000, c'est-à-dire 12000 euros. Question 7. Quelle est la production de l'exercice, sachant qu'on vous donne un extrait de la balance, on vous donne le solde des ventes de produits finis, les rabais, remises, ristournes accordés sur ventes de produits finis et la variation de stock de produits finis. À vous de réfléchir. Le timer était un peu court. Hein. Alors, si on regarde, en fait, il faut céder des soldes. Donc, on a déjà des ventes de produits finis, qui est un solde. Créditeur, on va soustraire ici les rabais, remises, ristournes et on va soustraire la variation de stock. Donc finalement, on se retrouve avec une production de l'exercice de 97000 euros. Question 8. Le compte 6037 est débiteur de 2000 euros. Le compte 7135 est débiteur de 5000 euros. Je vous fais 4 propositions. Il faut choisir lesquelles sont justes. L'entreprise a stocké des marchandises, l'entreprise a déstocké des marchandises,
L'entreprise a stocké des produits finis. L'entreprise a déstocké des produits finis. N'hésitez pas à vous aider de votre plan de compte et d'un petit brouillon pour faire des écritures comptables si besoin. Je vous laisse le temps de réfléchir. Donc la première phrase, quand on parle du compte 60-37, on parle du compte de variation de stock de marchandises. Donc c'est soit la proposition 1, soit la proposition 2. Lorsqu'on déstocke des marchandises, ce compte 60-37 sera débiteur. Lorsque le compte 71-35 est débiteur, on parle de stock de produits finis. Et s'il est débiteur, ça veut dire que j'ai une charge et donc je n'ai pas stocké, j'ai au contraire déstocké des produits finis. Question suivante. Quel est le libellé de cette écriture comptable? Nous sommes à l'inventaire N, on débite le compte 370 stock de marchandises et on crédite pour le même montant le compte 60-37 variation de stock de marchandises. Donc ici, si je débite un compte de stock, ça veut dire que je constate un flux entrant. Il s'agit donc de la constatation du stock final. Question suivante. Alors, c'est pas une question tout de suite, pardon. On est à l'inventaire et on vous donne le tableau de suivi des créances clients douteux. Donc, vous avez 4 clients A, B, C, D avec des informations sur N-1 et sur N. Tableau que je vais vous remettre, on va faire client par client au niveau des questions. Alors, ce tableau, il s'agit du détail de 4 propositions des créances clients, c'est le compte 411. Des dettes fournisseurs, c'est le compte 401. Des créances clients douteux, c'est le compte 416. Ou quatrième proposition, des créances de tous les clients, c'est-à-dire les comptes 411 et 416. À vous de définir. On a dit que c'était donc le tableau de suivi des créances de clients douteux. Donc ici, c'est uniquement le solde du compte 416. Question suivante. Donc cette fois-ci, on va travailler pour le client A. Enfin, on va analyser la situation du client A. Et je vous demande de me déterminer la perte probable pour le client A à l'inventaire N. Vous avez peut-être besoin de votre calculatrice. Alors, on va analyser ensemble la situation. Donc, on a une créance restant due. Notre client nous devait 1 500 €. Il va nous régler, ou on pense qu'il va nous régler 1 140. Donc, on pense qu'il va nous rester 1 500 € moins 1 140. C'est-à-dire qu'il va nous rester 360 € TTC, qui ne nous réglera certainement pas. Dans ce cas-là, la perte probable sera la valeur hors taxe de ces 360 €. Là, c'est sur ça qu'il faut faire particulièrement attention, puisque en fait la TVA, c'est pas, nous sommes que collecteurs, donc on ne perd pas la TVA, c'est l'État qui la perd. Et donc du coup la perte probable sera de 360 divisé par 1,2, soit 300 €. On continue dans le même genre d'analyse et on passe à la question 12. Pour le client A, toujours, je vous fais 4 propositions suite à l'analyse qu'on vient de faire. Il faut passer une écriture de changement de nature de la créance, passer une écriture de changement de nature de la dette, passer une écriture de dotation aux dépréciations ou passer une écriture de reprise de dépréciation. Je vous laisse le temps de réfléchir. Alors, il s'agit donc ici, on a dit, de créances douteuses, donc il n'y a pas besoin de changer la nature de la créance, puisqu'elle est déjà mise en créance douteuse. C'est une créance client, donc évidemment, il n'y a pas de changement de nature de la dette. On a dit qu'on avait une perte probable. Pour prendre en considération cette perte probable, on doit passer une écriture de dotation aux dépréciations. C'était donc la proposition 3. Question suivante. Attention, c'est la question 13, on va voir si ça vous porte chance. On traite donc du client B. Il nous devait en N-1 1 200 €. On a dépréciation compte exercice d'avant pour 500 €. Et durant l'exercice, il nous a réglé la totalité de la créance.
Alors que fait-on avec ce client B à l'inventaire? Première possibilité, on débite le compte 512, on débite le compte 681, on débite le compte 491 ou dernière possibilité, on débite le compte 654. À vous de choisir. Donc on est à l'inventaire, donc c'est pas à l'inventaire qu'on va considérer qu'on nous a payé, c'est au moment où il nous a payé, donc ce n'est pas la proposition 1. Ici en fait, lorsqu'on avait passé une dépréciation N-1, on pensait qu'il n'allait pas nous régler, il nous a tout réglé, donc la dépréciation N-1 n'a plus raison d'être, on va la reprendre. Donc on ne va pas débiter 681 puisque ça c'est une écriture de dotation aux dépréciations. Par contre, quand on passe une écriture de reprise, on va débiter le compte 491. Et on ne va pas toucher au compte 654 qui est une perte, puisque là, il nous a tout réglé, il n'y a pas de perte. Donc, si je vous remonte le schéma d'écriture, c'est donc une écriture où on va débiter 491 dépréciation pour 500. Et on va créditer le compte 178-150-174 pardon, pour reprise aux dépréciations des créances clients, toujours pour 500. Question suivante. À l'inventaire N, pour le client C, quel est le montant de la dépréciation nécessaire? Il nous doit ou il nous devait 2000 euros. Suite aux opérations d'inventaire, on a appris qu'il venait d'être liquidé et qu'il ne nous paiera jamais. À vous de réfléchir. Donc en fait, lorsqu'on nous dit qu'il vient d'être liquidé, ça veut dire que notre client n'existe pas, il ne nous paiera jamais. Donc une dotation, c'est la constatation d'une perte probable. Or ici, là, c'est une perte certaine. Donc il n'y a pas besoin de dépréciation. Le montant de la dépréciation est donc zéro puisqu'il n'y a pas besoin de dépréciation. Question suivante. Quel est le montant de la perte probable pour le client D cette fois-ci? D nous devait 6600. Suite aux opérations d'inventaire, on va constater qu'il est en litige avec nous. On a contacté notre avocat et il estime que notre probabilité de perte est de 40%. À vous d'analyser la situation. Donc si on analyse la situation, on a une perte probable ici qui est de 40%. Attention, c'est 40% de la créance hors taxe. Soit si on fait le calcul, 40% soit 6600 divisé par 1,2 en supposant que la TVA est à 20%. Donc ici, le montant de la perte probable est de 2200 euros. Question 16. L'écriture suivante a été passée. De quel client s'agit-il? À propos de quel client est-ce que l'on passe cette écriture? On a donc constaté une perte sur créance irrécouvrable et on a donc soldé le compte de client douteux et litigieux. Je vous remets le tableau de tous les clients douteux pour que vous trouviez la réponse. Évidemment, je vous demande de réfléchir et de ne pas jouer par la logique. Donc en fait, on vous dit que C ne nous paiera jamais. Donc s'il ne nous paiera jamais, ça veut dire qu'on va constater une créance. Donc on va solder, c'est ce qu'on fait ici. On va solder le compte 416 client douteux pour le montant de la créance. Et on va constater la valeur hors taxe comme une perte. Et on va en fait annuler la TVA collectée. C'est en fait l'État dans l'histoire qui va perdre aussi 333,33 d'impôts sur une opération qui est donc annulée. Pour préparer les questions suivantes, on dispose des nouvelles informations suivantes. Vous avez les informations concernant les stocks de produits finis à l'inventaire N-1 et à l'inventaire N. Pareil pour les stocks de matières premières. Et vous disposez également des soldes, des comptes de dépréciation de stocks de produits finis, inventaire N-1 et N, et dépréciation des stocks de matières premières, toujours N-1 et N. Que va-t-on faire comptablement à l'inventaire suite à ces informations-là? Je vous fais 5 propositions. On va débiter le compte 355 pour 9000 euros. On va créditer le compte 355 pour 9000 euros. Ou on va débiter le compte 310 pour 1200 euros. Ou débiter le compte 6031 pour 1200 euros. Et enfin, on va créditer le compte 6135 pour 10 000 euros. Donc en fait, il s'agit de 5 questions. Vous avez un peu de temps pour réfléchir.
Alors on va essayer de ne pas s'y perdre et de voir une par une. Première possibilité, on débite le compte 355. Donc si on regarde le compte 355, on débite. C'est-à-dire qu'on va constater un flux entrant avec le stock final, donc pour 10 000. Donc ici, non, ce n'est pas la première possibilité. Après, on me propose de créditer le compte 355. Cette fois-ci, je constate un flux sortant 355 pour la valeur du stock initial. Effectivement, j'ai un stock initial de 9 000 euros, donc la deuxième proposition est juste. Troisième proposition, on débite le compte 310, c'est-à-dire qu'on va constater un flux entrant en stock de matières premières pour 1200 euros. Et ben non, je me rends compte ici que j'ai 500 euros, donc la troisième proposition est fausse. La quatrième proposition, on propose de débiter le compte 6031. Donc quand on crédite le compte 310, on compense par un débit du compte 6031 pour 1200 euros. Effectivement, il s'agit d'annuler le stock initial, donc la quatrième proposition est juste. Et enfin, on va créditer le compte 7135 pour 10 000 euros. Le compte 7135 pour 10 000 euros sera crédité quand on va débiter. On va débiter le stock de produits finis avec le stock final qui est bien ici de 10 000 euros. Donc cette cinquième proposition est également juste. On passe à la question suivante. Quelles sont les informations qui apparaissent au bilan ? Je vous fais des propositions. Alors en bilan, on va faire apparaître un montant net de stock de matières premières pour 1090 euros. Ou alors un montant brut de stock de matières premières pour 450 euros. Un montant brut de stock de produits finis pour 9000 euros. Et enfin, dernière proposition, un montant net de stock de produits finis pour 9880 euros. Quatre propositions, à vous de réfléchir. Alors, première proposition, un montant net de stock de matières premières. Donc, si on regarde les matières premières, j'ai donc un stock normalement de 500 euros. Ça, c'est la valeur brute de mon stock. Ce stock de matières premières est déprécié de 50 euros, soit un montant net de stock de matières premières de 450 euros. Donc, la première proposition sur un montant net est faux. Et il est faux aussi pour un montant brut, puisqu'on vient de dire que le montant net de stock de matières premières était de 450 euros avec un montant brut de 500 euros. Si maintenant on raisonne sur les stocks de produits finis, les stocks de produits finis, on commence par un montant, on va analyser. Donc je me retrouve avec montant brut de 10 000 euros qui est réduit de 120 euros, soit un montant net de 9880 euros. Donc la troisième proposition est fausse puisque le montant brut, on a dit, était de 10 000 euros. Par contre, la dernière proposition est juste. J'ai bien un montant net de stock de produits finis de 9 880 euros, soit 10 000 moins la dépréciation de 100 euros. Question 19, c'est l'avant-dernière. Que dois-je comptabiliser finalement à l'inventaire N ? Encore une fois, je vous fais des propositions. Une charge de 50 euros qui est liée au stock de matières premières. Un produit de 110 euros qui est lié au stock de matières premières. Une charge de 20 euros qui est liée au stock de produits finis. Ou un produit de 100 euros qui est lié au stock de produits finis. Donc encore une fois, il peut y avoir plusieurs réponses. Je vous laisse le temps de réfléchir. Alors, on va faire élément par élément. Donc, sur les stocks de matières premières, on est donc ici. Je vais constater stock de matières premières. Voilà. On avait une dépréciation sur stock en N-1 de 110. Et on a une dépréciation sur stock de 50. En fait, on va annuler les 110. Donc, on va constater une reprise sur dépréciation. Et on va constater une nouvelle dotation de 50 euros. Donc oui, on constate une charge de 50 euros qui correspond à la nouvelle dotation de dépréciation de stock. Et oui, on constate également un produit qui consiste en la reprise de la dépréciation existante sur le stock en N-1. Concernant les produits finis, on avait une dépréciation de 100 et on a une nouvelle dépréciation maintenant de 120. Donc on ne constate pas une dotation de 20 puisqu'on va constater une dotation de 120. Par contre, on va annuler
la dépréciation existante, donc on va constater une reprise, donc un produit de 100 euros sur ce stock, cette dépréciation de 100. Dernière question. À l'aide du tableau d'analyse du titre A suivant, précisez quelle écriture comptable d'inventaire vous allez comptabiliser en N. Je vous fais évidemment plusieurs propositions. Première proposition, vous passez une écriture de dotation aux dépréciations pour 60. Vous passez une écriture de reprise de dépréciation pour 80. Vous passez une écriture de reprise aux dépréciations pour 20. Ou enfin, vous passez une écriture de dotation aux dépréciations pour 3020. Vous avez encore une fois besoin de votre calculatrice, je vous laisse le temps de faire vos calculs. Alors, j'ai donc acheté des titres il y a un certain temps, on ne sait pas quand, j'en ai acheté 20 et je les ai achetés à 154 unités. En N-1, j'avais déprécié pour 80 et à l'inventaire N, les titres sont cotés pour 151. Donc, j'ai besoin d'une dépréciation de 3 euros par titre, donc j'ai besoin d'une dépréciation de 60, sachant que j'avais une dépréciation de 80. Donc, il ne faut pas que je passe une dotation aux dépréciations 60 parce que j'avais déjà une dépréciation de 80. J'ai besoin que de 60. Je ne reprends pas la totalité. Par contre, je vais faire une reprise de 20. J'avais 80, j'ai besoin que de 60. J'ai donc 20 de trop. Donc, je vais passer une écriture de reprise pour 20. Et non, l'écriture de dotation, ce n'est pas non plus 3020. 3020, c'est la valeur à l'inventaire de mes 20 titres A. Donc si on regarde le schéma d'écriture, on va passer une écriture de dépréciation. Donc ici, j'ai mon compte de dépréciation qui est attaché au VMPA. J'avais mis ça dans le compte 5311 action A, donc 590311, c'est dépréciation de VMPA pour 20. Et une écriture, un crédit de reprise, reprise aux dépréciations des VMP. Maintenant, vous n'avez plus qu'à calculer votre score. Indiquez-moi combien vous avez obtenu en commentaire. Si vous n'avez pas eu la moyenne, je vous invite à réviser à nouveau, refaire des exercices, reprendre le temps. Et puis, la prochaine fois, ça ira mieux. N'hésitez pas aussi à aimer la vidéo, laisser un petit pouce. Et puis, vous pouvez aussi vous abonner pour voir les prochaines vidéos.